Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de peinture, mais vraiment rester sur une seule idée qui est hyper importante. C'est le rendu désiré en fait. Il y a beaucoup de gens en fait quand ils commencent la peinture à l'huile, en gros, bah, ils ont envie de poser la couleur telle quelle parce qu'on ne leur a pas appris tout simplement. Donc il y a une espèce de coloriage. La peinture à l'huile, la peinture acrylique et au final beaucoup de techniques. Et je vais revenir sur le dessin par rapport à l'outil qu'est le crayon. On peut pas, si vous voulez, obtenir le même résultat en passant plusieurs couches que si on appose tout de suite la même couleur. Donc après, techniquement, on peut le faire, mais voilà, je vous prends l'exemple de Lucien Freud. Ses dessins sont hyper empâtés, enfin, il y a une espèce de couche assez importante, mais sachez que c'est pas la seule. Hier, j'ai eu la chance de tomber sur certaines photos de certaines de ses peintures dans des étapes inachevées. Et en fait, lui aussi, il monte les couches progressivement, donc dans les couleurs, tout ça. Bah, il y a aussi du jus, tout ça avant. L'idée principale qu'il faut retenir de cette capsule, c'est qu'on ne peut pas avoir le même résultat en prenant son temps ou en voulant aller vite parfois, et dans la peinture, c'est comme ça. Il faut prendre son temps. Quand on fait un dessin, le crayonner, le hachurer, pour obtenir une ombre avec une sensibilité, il va falloir justement poser plusieurs couches. Alors après, on se dit, ouais, on va essayer d'atteindre le ton direct, on prend un crayon gras, tout ça, bien noir et tout, c'est pas bon. Donc en fait, dans la peinture à l'huile, c'est exactement la même chose. Lucien Freud, il peignait pas directement des couches épaisses sur les roues, tout ça, machin. Il faut vraiment monter la peinture progressivement. Quand on regarde les peintures de Rembrandt, c'est pareil. C'est des peintures à l'huile qui prenaient, je suppose, plusieurs semaines. Parce que quand je vous parlais par exemple de Turner qui disait oui, pourquoi vous faites l'étoile en une matinée, tout ça. Et bien, bah, Rembrandt aussi, il prenait son temps, comme Lucien Freud, de monter les peintures. Par contre, l'effet final, ça nous renvoie quelque chose de très empâté, surtout sur les nez, des grosses touches dans les yeux, voilà, partout, des touches finales, ça fait très empâté. Mais pour arriver à ça, il a passé des couches en dessous. Parce que la peinture à l'huile est quand même assez transparente, surtout dans certaines couleurs. Donc voilà, pensez toujours dans la peinture, dans le dessin, tout ça. Il faut y aller progressivement. Pensez couches. Et l'erreur du débutant, ça va être de faire du coloriage en fait. Et la peinture à l'huile, c'est pas du coloriage. Si on revient pour une dernière idée sur les glacis, des fois il peut y avoir 4, 5, 6, 7, 8 glacis. Bon, ça fait encore une idée de transparence, le prisme de l'œil qui est renvoyé par la surface opaque. On n'a pas la même sensation. Donc, comme tout, retenez bien une chose, c'est que parfois, il faut prendre le temps de faire les choses pour qu'elles soient plus belles. Et ça, c'est dans la peinture, c'est comme ça. Le temps, en fait, on peut pas faire autrement si on veut avoir quelque chose de beau. Voilà, monter les couches au fur et à mesure, c'est un peu ça l'idée de ma capsule, le rapport au dessin, prendre son temps, on ne peut pas avoir à la même ombre si on ombre direct ou si on prend le temps de ombrer tout doucement, il y aura beaucoup plus de sensibilité. La peinture, c'est exactement pareil. Même la peinture acrylique, hein, dans l'idée, c'est comme ça qu'il faut faire. Après, il y a des gens qui peuvent y aller assez franchement, et puis bon, ça faut quand même avoir de la dextérité, mais dans l'idée, voilà, écoutez bien ce principe que je suis en train de vous dire, montez votre peinture progressivement. Donc toujours, je répète, maigre, gras, plus gras, plus gras, plus gras, ça c'est pour que la peinture tienne, mais dans l'idée, c'est des couches. Vous pouvez pas obtenir ce que vous voulez directement. Il faut être patient. La peinture, en plus, à l'huile, il faut attendre les temps de sèche et tout. Mais il faut être patient. Donc, si vous voulez du bon résultat, soyez patient et, comme d'habitude, croyez en vos rêves avec la patience, bien sûr. Bonne soirée, bisous.